J'ai travaillé en tant qu'hôtesse de caisse chez Auchan. J'ai travaillé en tant qu'opératrice en industrie agroalimentaire. J'ai fait de l'animation, j'ai été aide éducatrice, formatrice en insertion et ensuite j'ai été conseillère mission locale. Saisonnière, donc moitié restauration, moitié animation. Donc pendant longtemps j'ai travaillé dans ces deux branches, été et hiver. Puis après je me suis orientée dans le social, animatrice professionnelle publique jeune. Et après j'ai évolué, passé une formation, je suis devenue conseillère à la mission locale. J'ai exercé pendant 6 ans dans le secteur public, au sein d'une communauté de communes et en mairie, où j'étais chargé de développement local. Donc ce qui m'a permis de toucher à l'entreprise, au social. Et auparavant, j'avais exercé dans le secteur privé. Je suis à 50% de mon temps de travail sur une fonction de conseillère emploi formation et 50% conseillère relations entreprises. Donc la différence, conseillère emploi formation, on est plus sur l'accompagnement avec toutes les problématiques sociales. Conseillère relations entreprises, on est typiquement dans la mise à l'emploi, l'accompagnement vers l'entreprise. Je suis correspondante emploi saisonnier. Donc je travaille avec des partenaires dans l'emploi saisonnier, plus spécifiquement vers la montagne, puisqu'on est vraiment proche des montagnes. Ma fonction au sein de la mission locale Nord-Isère, c'est d'être conseiller aussi bien pour les jeunes, donc leur expliquer la relation à l'entreprise, les aider dans leur démarche d'emploi, expliquer via les expériences qu'on peut tous avoir au sein de la mission locale ce qu'attendent les employeurs. Envers les entreprises, c'est d'être un facilitateur. Alors, dans ma mission de chargée de projet relations entreprises, mon rôle, c'est plutôt de chapeauter tout ce qui est de l'ordre de l'alternance sur la mission locale, notamment sur les relations avec les chambres consulaires, avec les CFA, avec les lycées professionnels, etc. Aussi les centres de formation pour adultes. Sécuriser le parcours des jeunes en mettant en place des outils pour valider un projet et que la personne proposée à l'employeur soit tout opérationnel. Quelque part. Le territoire d'intervention, c'est sur le pôle Morestel de la Tour du Pin, plus particulièrement sur le site de la Tour du Pin. J'interviens sur Pont-de-Beauvoisin pour pouvoir être à proximité des jeunes et des entreprises. Pour en ce qui concerne la relation entreprise, plutôt sur le secteur de Morestel et l'ancien canton des Pays des Couleurs. Donc jusqu'à Crémieux, Montalieu, Les Avenières et Corbelin. Et pour en ce qui concerne mon activité en tant que chargée de projet sur la relation entreprise et l'alternance, il s'agit de tout le territoire de la mission locale.